ce matin, Seigneur, nous te remercions. Pour chaque quelqu'un qui est là, Seigneur, chaque ouvrier, ouvrière qui est là ce matin, pour capable, Seigneur, mon Dieu, obéir à de la voix. Ce travail qui te confie, ce que je vous fais avec amour, Seigneur, Dieu de tout ça. Je vous fais parce que je te reconnaissant qu'il y a même jour, Seigneur, de nous de nous ramener, Seigneur, Dieu de tout ça. De nous libérer, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, avec joie, Seigneur, je te sers toi, Seigneur, Dieu de tout ça. Je élève ton nom, Seigneur. Je te donne toute la gloire qui te mérite, Seigneur. C'est pour cela que nous te donnons merci. Merci dans le beau et glorieux nom de Jésus, qui te nomme le élevé, Seigneur. Merci pour le sang précieux de Jésus, qui te rachète nous à un grand prix, Seigneur. De la raison de Dieu, ni l'eau ni leurs ans partiront subi, mais seulement de tissant, Seigneur, qu'il rachète nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, me louer toi. Oh, je te merci, grand Saint-Esprit. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans ce lieu, Seigneur. Par la foi, Seigneur. Avec assurance, Seigneur, Dieu le puissant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Ramamashikam, Darabasan, Yarabadegé, Darabashi. Et bénis ceux qui sont en chemin, Seigneur. Propre à leur transport. Vous êtes capables de bénéficier, Seigneur, ce qui te prépare, Seigneur, ce matin. De paroles, il vous enseigne, il vous corrige, il vous permet de prendre une décision, Seigneur, pour nous capables vraiment, Seigneur, atteindre le but du royaume, Seigneur, Dieu puissant. Seigneur, ce matin, vous les louez, toi. Vous les bénis, toi, Seigneur. Vous les dites, merci. Merci, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous reconnaissons notre famille de Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons notre héritier du Dieu vivant. Nous reconnaissons, Seigneur, notre racheté de Dieu, Seigneur. Oh, merci, Papa. Merci dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, tous ceux qui vous viennent là ce matin, je ne pas vous sortir là pareil, Seigneur. De paroles qui vous donnent dans la bonne terre, Seigneur. De paroles qui vous relever, Seigneur. De paroles qui vous éclairer, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. De paroles, il vous permet, Seigneur, par les guerres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, prendre par une décision, Seigneur Dieu, pour capable suivre toi, Seigneur, comme un disciple des instruits toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, moi je t'en remercie. Merci, Seigneur. Ce matin, nous là parce que nous comptons toi. Nous là ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous là ce matin, Seigneur, parce que Seigneur te donne de l'amour, Seigneur. Te donne-nous de l'amour, Seigneur. C'est pour cela ce matin, Seigneur. Nous les guérons dans la joie. Pour adore-toi, Seigneur. Pour sens de louange, Seigneur. Pour faire monter toi, comme un bon parfait de bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre-nous les guérons ce matin, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles ce matin. Pour nous capables, Seigneur, mon Dieu. Dame de la voix ce matin, Seigneur. Parce que de parole, Dieu, Seigneur. Dieu est la parole de Dieu, Seigneur. Quand la parole il est prêchée, Seigneur, c'est toi-même, ça, Seigneur. Oh, nous te disons merci. Merci dans le plus et glorieux nom de Jésus. Oh, ce matin, Seigneur, nous parlons là ce matin, Seigneur, avec un esprit de timidité, Seigneur. Non, de donner un esprit de force et de puissance, Seigneur. Nous voyons dans toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les vraiment, Seigneur, représente un enfant de Dieu, Seigneur. Nous les vraiment ressembler au Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, nous te disons merci. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu. Oh merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, maman. Merci Jésus. Merci grand Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Bonjour à tous dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. C'est un jour de joie. Là où nous disons. En tout temps célébrer le papa.
du lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom de Jésus est célébré. Alléluia. Laisse-nous chanter ce matin. Alléluia.
nous pour louer et te nom, nous pour célébrer ton nom ce matin. Alléluia. Si nous pas louer, qui ça là pour louer? Roche pour louer, montagne pour louer. Alléluia. Laisse-nous louer ce matin. Tape-nous la main. Alléluia. Oh,
Je dis oui, Seigneur.
Yeah.
Voilà, frères et sœurs, bien bonjour à Dieu. Merci de prendre place. Et ce matin, c'est le frère Ivan qui conseille la parole de Dieu. Voilà. Merci, Seigneur. Seigneur. On a le micro. Bonjour, vous êtes tous et bien content de retrouver vous et bienvenue dans la présence de Dieu. J'espère que vous êtes tous corrects et laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous disons merci. Merci Seigneur pour la grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ta parole parce que ta parole est tout pour nous. Merci Seigneur, merci de ce qui nous capable de comprendre tes paroles. Nous faisons des efforts, nous comprenons tes paroles. Parce que c'est tes paroles qui vivent et qui capable de transformer nous la vie, qui capable de faire nous prendre une bonne décision et qui capable de faire nous affronter une circonstance. Merci Seigneur de ce qui tes paroles les souverains, pareil que moi toi, tes souverains. Amen. Bon. Moi, je peux lire l'article dans l'Angleterre, quand je peux dire que du monde peut vivre plus longtemps. Dans l'Angleterre, hein, ça veut dire que beaucoup de monde dépasse 80, 85, 90. Bon, il paraît être une bonne chose. Bon, dans l'article-là, on peut critiquer ça. Je peux critiquer ça, qui fait que je peux dire, ok. Longtemps, du monde, tu peux vivre 60, 70 ans. Maintenant, je peux vivre 80, 90 ans. Ça, quelqu'un qui peut critiquer ça, là, il peut dire qu'il n'y a vraiment du monde là, pas vivant. Je veux être vivant là, au papier. Bon, m'explique-moi. Il y a du monde là, là, qui en a 80, 92, 95, il y en a même 100 ans. Mais il y a du monde qui l'a lili. Il y a du monde qui ne reconnaît pas sa famille. Il y a du monde qui n'a pas bougé. Il y a des gens qui besoin faire les manger par tube. Il y a des gens qui fait ce bon besoin en place la même. Il y a des gens qui besoin 24 heures temps, 7 l'eau, 7, ils besoin une surveillance. Alors, ça qui gagne là, peut dire, mais est-ce que ça a des gens là vivants? Ouais. D'après la loi, les vivants, c'est pas un mot. Mais qui gagne là, peut dire, depuis longtemps, il y a des gens là, depuis peut-être 15 ans. Mon point qui était, c'est que, par exemple, un monde fait un accident, il reste dans un coma pendant 5 ans. Il ne reconnaît personne, il ne pas bouger, il a un appareil dans le lit. Quand est-ce qu'il dit mon est beau? Dit mon est beau quand il fait un accident. Hein? Parce que trois quarts du monde ne pas revenir de sa coma. Là. Mais c'est pas quand il est pour moi, quand sur les quais pour être battu, là, je vais mettre les mots telle date. Ce que je veux dire, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de chrétiens, je ne finis pas depuis longtemps. Je ne finis pas. Bon, je peux venir à l'église, bon, il n'y a pas venu, un bon parti, pas venu à l'église alors, mais il y a venu. Mais depuis longtemps, je ne bois. Bon, par la grâce de Dieu, par sa parole, par la miséricorde de Dieu, comparé à ce que je dis, je dire de coma. Là. Spirituellement, nous arrivons à la vie, mais la décision. Il repose l'eau nous. Remarquez, fils prodigue, papa là qui dit à l'autre garçon, ton frère qui était mort. Frère là, man mort, on doit faire là, tu peux amuser là-bas. Tu peux amuser en 35, casse une finie, mais il dit ton frère qui était mort. Frère là, vivant lui. Mais frère là, il comprend les affaires. Ouais, même si mon papa peut dire mon mot, mais mon papa vient vivant. Et comment il fait ça? Il quitte sa place là, il est reconnecté à ce papa. Connexion est important, mais nous besoin vivant. Mon capable de brancher une tablette, un charger, oui, bien bon, mais si je suis en courant, je vais mettre dans n'importe qui cap, il va pour moi aussi. Donc, sa connexion au bon Dieu là, c'est qu'il est déconnecté. La déconnexion, il y a l'amour spirituel, moi, puis aussi là. Il est important qu'il nous reconnecte. Nous, quand on vient à l'église, nous ne pas connecté. Hein. Nous venons parce qu'il bon, on a un rôle, ou soit de dimanche, on vient à l'église. Etc., etc. Mais sa connexion avec bon Dieu là, il est important. Donc,
Si vous avez mis un titre aujourd'hui pour ce message, c'est être vivant pour Dieu. Être vivant pour Dieu. Alors, si nous prions un premier passage, Luc le chapitre 13, le verset 10 à 17. Une histoire que je tout connais. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » Ce qui est intéressant, c'est que le chef de la synagogue n'est pas, on le dit en créole, n'est pas l'évo Jésus, l'évo la foule. Fait baiser la foule qui est autour là. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Au fait, le sabbat, l'istrique, pas supposé faire, non, ni la banne pharisienne, ajoute une banne d'affaires, parce que banne propriété, mais faire banne pharisienne, hein? Je vais mettre une affaire là-dedans juste pour qu'elle va le détache de bœuf, de bourrique, etc. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ok, on arrête la même. Bon. Première affaire, Jésus-Christ dit, cette femme, il y a une fille d'Abraham. Donc, il confirme que la dame, ce qui est courbé là, est toujours dans la promesse. Mais il précise que c'est Satan qui t'y paye, lié et lié, t'y paye, possède lié, en l'esprit. Ce qui montrait que, bon, madame l'a possédé, mais madame là, je pourrais étonner, c'est qu'il faut dire, spirituellement, il est vivant. Parce qu'il est de sa guérison, lui. Malgré à l'esprit là, fatigué, puis godli, courbé. Il continue à venir dans la synagogue, donc il vient écouter la parole de Dieu. Et finalement, il gagne sa guérison. Maintenant, remarquez qui précisait depuis 18 ans. Vous voyez qu'on est que ça vient de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, il a insisté à sa mot 18 ans. Sa période, le chiffre 18. Le chiffre 10 plus 8. En hébreu, quand nous prenons ça mot 10 plus 8 là, il donne un mot en hébreu, et mot là veut dire vivante. Ça veut dire madame là, malgré physiquement, il est courbé, mais il est vivant spirituellement. Aujourd'hui, c'est peut-être le jour où nous avons été, c'est pas nous vivants spirituellement. Nous n'avons pas de pépin physique. Nous n'avons pas de pépins financiers, nous n'avons pas de problème familial, nous n'avons tout cas des affaires. Mais est-ce qui spirituellement nous vivons? Est-ce qui spirituellement nous vivons? C'est là qui nous faisait être vigilant quand nous faisait faire un check-up. Parce que si spirituellement nous vivons, la guérison, la prospérité, pas qu'à ce moment-là, la prospérité, tout le monde a fait qui bon Dieu promet. Les pour toujours accessible. Parce que pas qu'à donner quelqu'un qui est mort, ça. Pas qu'à donner quelqu'un. Le roi Saül, il perdit la royauté spirituellement avant tout. Samuel, j'ai dit, bon Dieu, finis mettant la croix l'autre. Mais il n'est pas démissionné, il est allé. Il reste les rois pendant au moins 15 ans. Pour tout le monde, il est roi, pour son madame, il est roi, pour son enfant, pour les rois. Et ben soldat obéit à lui comme les rois, mais devant bon Dieu, il n'est plus les rois. Donc ça, madame là, devant Dieu, il est encore une fille d'Abraham.
dit encore une fille d'Abraham. Est-ce que nous maintenant, nous encore un, bon vous allez, il est grave. Est-ce que nous encore un enfant de Dieu? Qui tu peux expliquer là? Tu peux expliquer quand tu te casses des pensées pour God, ça va nous dire là en vie. Ok, ça quand tu te casses pour soin à man dimoun qui a 100 ans là, l'écoute plus beaucoup casse qui soit man dimoun qui a 50, 60 ans. Tu peux écouter Angleterre beaucoup casse à cause ça que les espèces de ça. Donc nous besoin veiller un coup, check un coup, si pas spirituellement nous vivons, ça est très important parce qu'à cause ça ils mettent l'emphase de ça à 18 ans là. Malgré être lié par Satan. Mais Jésus-Christ dit, il y a une fille d'Abraham. Donc Jésus-Christ donne ce status. Il montre que ça dit, là, c'est une fille d'Abraham. Et il n'est pas supposé être lié comme ça. Et Jésus-Christ guérit. Elle demande quelque chose qui fait à nous mot spirituellement. Mot. Comme tu convertis en 2006, ça c'est là, c'est ça, Roja, l'in trouvé comme un converti. Je garde man li, tout ban zen dans mon laz, ok, à l'époque, tu n'as les autres, personne ban resté. Personne. Pratiquement personne ban resté. Tu retourne dans le monde. Comment on peut dire? En fait, vous posez la question, c'est pas que tu quittes le monde, même premièrement. Donc, Je te retourne. Tout le monde qui a abandonné, il a abandonné dans sa processus Atan. Bon. Il y a une expression qu'on nous dit Atan de Dieu. Au fait, il n'est pas biblique ça. Bon Dieu n'a jamais dit Atan de nous, Atan de lui. Bon Dieu dit fais-lui confiance. Ça a fait wait on the Lord, là, c'est-à-dire me confier moi dans le Seigneur. M'a fait lui confiance. Parce que tout le monde. Bon, premièrement, l'être humain, il a gassé. Il n'y a pas qu'à Vatani. On voyage souvent, quand on voyage, normalement, quand on a l'avion, si on a 16-15 ali, il y a 16-15 ali. Mais l'être avion là, tout le monde galope devant la porte. Là. Je vais penser bis. Donc, en matin, nous tous êtes tracés, 40 dans bis, poussé pour une place. Pas que... Mais avion, c'est avion, il y a une place réservée, ça. Mais on dit que là, galoper, ça a. Deuxième affaire, dit tout le temps irrité. On a dit que depuis 15 minutes, je vais attendre la bise. Dit que plein. Si écoute radio grand matin, ouais, bise tordé, ouais, ici tordé, si mes bloqué. Dit que pas content d'attendre. Mais, et là, man, l'enseignement qui nous dit, ouais, attendre. Tu veux attendre de Dieu. Attendre de Dieu. Ok? Attendre de Dieu. Et qui est béni, frère, attendre aux récompenses de Dieu, etc. Là, dit que là, attendre. Oui, pas gagner, on y. Parce qu'il n'y a pas attendre que vous avez fait. Vous avez fait bon Dieu confiance. Vous avez fait bon Dieu confiance. Parce que quand on attend, n'importe qui s'en a quand il attend, il met une période. Il met une période, ça veut dire, bon, bon, pas attendre. Après 15 minutes, nous tous, bis là, pas venir. Nous commençons en colère, nous commençons critique le gouvernement, nous commençons, etc. Donc, attendre, ce n'est pas une bonne affaire. Et quand on attend, l'élève, nous a le mot. Spirituellement, parce qu'il nous gagne une déception. Parce qu'il nous gagne une déception, nous chagrin, nous tous affaires là, papier arrivé, etc. etc. Ok? Et nous mettons ça choses bien haute. Après, nous partout, on y est arrivé. Là, nous commençons à décourager. Non, il ne fallait pas nous attendre. Il fallait nous faire bondir confiance. Arrêtez à ces histoires, attendre. Attendre. Une fois, je me rappelle le pasteur, tu prends un message. La foi, ce n'est pas attendre, c'est prendre. Rappelle ça. La foi, ce n'est pas attendre, c'est prendre. Bon, qui nous veut dire? Ou puis, on vient gagner la case. Moi, je veux dire, au coquin de la case, je nous rentre là-dedans. Frère, je dis, pas attendre, prendre. Pas à qui nous veut dire. C'est que faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance. Il fait ce qu'il a envie, comment il a envie, avec qui ça n'a pas envie. Il y a des gens avant de mourir, ils ont fini la case. Il y en a 45 ans pour gagner la case. Il y en a 50 ans pour gagner la case. Il y en a comment mourir, il y a une clé en main. Il y a des enfants qui ont gagné une licence, 18 ans, fini le tour. Correct.
Et là, après beaucoup d'années, le problème, c'est qu'il nous fait comparaison. Et ça, n'est pas bon. Et ça, il vient de mon enseignement que nous gagnons. Attends. Si la réponse t'aude, attends. Nous venons là, si la réponse t'aude, attends. Donc ça me wait on the Lord là, c'est confier. Confier, mais tout mon confiance dans bon Dieu. La confiance. La confiance, elle m'a réussi à faire ça. Elle dit, gagne l'assurance. Quand, bien avant, je suis allé au bal. Et je connais le bal, et mon garçon, je vais aller me fiancer. Personne ne va dans le bal ici, je connais, je suis tout converti, spirituel. Ok, pas de problème, je suis allé, moi. Ouais. Ça va être dans la bonne affaire, là, ok. Ouais, l'état, je suis allé au prière, soit moi, je suis allé au bal. Correct, allez, pas fait, non. Alors, je suis allé au bal, moi, avec 4-5 camarades, et bal, pas de choses, ça, exécutif, pas de courant mondial, ça. Pas grave, je ne pas connu, tu vois, mais mauvais, ça, je. Bah, c'est quand je vais aller vers 10h du matin, je vais finir à aller parce qu'il est 3h du matin pour commencer la guerre et 4h du matin la police pour venir. Ok? Donc, okay. Mais, ouais, l'état mal bal et. Mais, allez, madame, là pour danser. Je vais aller, vous faire comme ça, tu fais moi non. Bon, ma fille, pour je dire non, t'as l'air. Je ne vais pas dire non, t'as l'air. Moi, je vais fatiguer là. Attends, je finis voir vos coca. Dans vite, c'est pas pour dans ça, toi. C'est sa façon de dire non, ça. Fais comme ça. Pas dans rien. Vous faites mal, moi. Tout cas, Jacques la tape, parce que. Alors, moi, j'ai un camarade, lui. Moi, je critique, lui. Mais à mon âme, opinion, moi, je trouve moi plus joli garçon qu'il est. Mais lui, il allait, tout le monde dans son lit. Tout le monde. Sauf vieux, sauf zen, tout en fait, tout. Et vous demandez, lui, secret là. Vous dites, qui te dit autre comme ça? J'aimerais que moi, j'aime les autres dans son moi ou dans son moi. Moi, j'aime ça, moi, dire moi. Bah, j'aime moi, non. J'aime moi, Lévaille. Quand tu peux dire à Dimon là, dans son moi, j'aime moi, Dimon là, connaissent pas, tu as l'assurance ou pas. Et c'est vrai, hein, c'est une affaire vraie. Hein. Bon, quand je me conçois, moi, je dis, non, tu connais, moi, je me connais, c'est vrai, c'est que j'aime moi. Bien à l'assurance. Quand on a confiance, quand nous mettons confiance dans le bon Dieu, nous prenons l'assurance qui n'est pas à expliquer. À cause de ça, la même circonstance là, pas venue. Moi, quand moi, tu parles bal là, moi, tu peux pas me servir bien, moi, tu peux me donner une bonne laisse, moi, tu fais un effort, mettre un peu parfum et tout, parce que quand pour danser, c'est dans l'autre, pour marier, tout ça là, etc. Et, là ici moi je suis désavantagé parce que normalement quand dans le gain cause des oreilles là mais moi je suis grand donc maintenant j'ai de la tête battre là mais pas gain cause des oreilles finalement si jamais elle t'a envie d'en sortir moi donc moi tu peux conditionner moi etc telle manière le tel est pas conditionné mais il est dans l'assurance là aujourd'hui nous peut conditionner ouais dans l'église dans le tourillon et nous fait ceci nous fait cela. Mais on fait seulement nous mettre confiance dans le bon Dieu. Nous ne pas mettre confiance dans le bon Dieu. Ça, c'est danger. Nous venons à l'église, bon, nous lisons la Bible. Nous pouvons même peut preach. Nous pouvons même peut faire santé. Nous pouvons même faire cellule. Nous pouvons même faire tout réunion. Mais nous sautons dans une religion et nous rentrons dans une nouvelle religion. C'est tout. Sa confiance en le bon Dieu, là, nous pénalise. À cause de qui? Ben, disciples dans un bateau, cyclone, etc. Vraiment, c'est dans le cyclone, vraiment, c'est dans la tempête. Mais ceux qui n'ont pas réfléchi, mais nous, on bosse là, là, sur so what? Pour cette tempête-là, tu es nous là, tu es bosse là, ici. Qui fait moi comprendre qu'ils ne pas, tu connais qui sont la bosse là. Malgré ce avec lui. Je connais mon travail dans le gouvernement et. Quand un dimoun a un rendez-vous avec ministre ou soit premier ministre, dimoun là, il a une fierté, il a un peu d'arrogance. Tout. L'état policier, il a dit, oui, il a un rendez-vous? Oui. Par contre, un dimoun qui a un rendez-vous là, non, il est seulement dans le bureau, il n'y a pas ce qu'il est capable. Un dimoun là, il manque ça l'assurance. Mais quand il a un rendez-vous, il dit, non, moi, il a un rendez-vous. Non, mais il a un papier. Quand il a un papier, mais le ministre, il dit, moi, venu, ou quand il a un secrétaire. Ça boucle à maltraiter, tu la policier ou la réceptionniste. Parce qu'il y a l'assurance dans nous, là, qui nous est invité. Les mêmes affaires
quand nous spirituellement vivant. Ça madame là prouvé que malgré les bossus. Correct? Madame là bossu, ça veut dire qu'elle a bossé comme ça. Lilin vini juste pour qu'elle soit guérison. Lilin mange en Lili. Parce qu'il y avait des affaires du monde, parce qu'il bossu. Pas qu'elle est levée, pas qu'elle est en Lili. Bossu rentré, il dit. Mais il est vivant spirituellement. Il est vivant. Guérison, ce n'est pas une imposition des mains, ce n'est pas ceci, ce n'est pas là-bas. Nous faisons qu'on spirituellement. C'est un problème quand l'hôpital ici, c'est qu'un docteur, le docteur public, il n'y a pas 250 du monde qui gagne. Il y a attention, il y a diabète, il y a de la famille, il y a pas de briefing, c'est un peu. Parce qu'il n'y a pas gagné le temps. Il n'y a pas gagné. Des fois, il y a du monde stressé. Des fois, il y a du monde stressé. Ce n'est pas la police qui peut relire, ce n'est pas la tension qui peut monter à cause de ça. Mais un docteur privé, il peut prendre tout le temps. Qu'est-ce que tu manges hier? Telles tes affaires. Qui travaille? Il peut demander. Un petit monde qui travaille maçon tous les jours, un petit monde qui travaille dans le bureau, il n'a pas même affaire. S'il travaille maçon, il peut gagner des douleurs les deux. Ça paraît un peu normal. Mais un petit monde qui travaille dans le bureau, un journée sur les deux peut faire mal. Ça, il doit assiser, caler de là, peut faire mal. Mais diagnostic n'a rien pourtant. Et ça diagnostique, ce n'est pas nos mots spirituellement, ou soit nous vivons spirituellement. Là. L'essence, tout ça. Bien important pour nous connaître, et bien important pour nous veiller ça de près. Il n'y a pas sens d'ennui quand on lève 3h du matin pour prier. Il n'y a pas sens d'ennui. Qui fait 3h du matin, les bons siens du monde prier, parce qu'il peut être à ta base, il peut être un peu souffler, il peut être un voisin, il peut être la musique. Même man sportif, vous êtes bonnet, vous allez galoper grand matin pour qu'il peine le tour, peine du monde, etc., etc. Bon Dieu, pas lève 3h du matin. Ce n'est pas ça qui montre qui spirituellement nous vivons. Avant mon mourir, il était mon fait comme ceci. Je peux rouler un camarade dans le tour. Je disais, tu connais, je vais le mourir, mais la case, je peux. Correct. Je disais, tu connais. Construire ton foyer avant de construire la case. Aujourd'hui, beaucoup de gens construisent la case, pas construire foyer. La case, belle la case, grand la case. Un vivant abondant, c'est moi. Foyer qui nous faisait construire avant. La case béton, ça. Macadam, Roxane, Ferraille, Dibois, ça, c'est la case. Foyer, c'est l'autre affaire, ça. Foyer, c'est l'autre affaire. Ça n'a pas gagné contre Bétonix, contre Gamma Civique. Pas gagné là-bas. Ça bondit qui est le chef. Comment vous dire, il faudrait nous spirituellement vivant. Ésaïe chapitre 40. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Qui peut redire nous là? Ça fatigue là. Non, si nous avons galopé, nous fatiguer. Il n'y a pas besoin de galoper là. Il peut redire, man, si la constance de la vie, il est fatigant. Hein? Il est fatigant, man, si la constance de la vie. Mais man, du monde qui met confiance dans bon Dieu, je te renouvelle, je te la force. Je te renouvelle. Je te galope, mais je ne suis pas fatigué. Je te passe d'un problème. Je te gagne du mal au problème là. Je ne suis pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Quand je te dis, il abandonne le Seigneur là, ça. À Maurice, il est beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout a été circonstance. C'est pour ça qu'il y a une depuis pasteur là, tu vois. Il y a une circonstance interne. Circonstances extérieures, tout, etc. etc. Mais ben, nous avons abandonné. Nous avons galopé, nous avons fatigué. Mais si nous mettons confiance dans bon Dieu, à ce là, pour nous mettre confiance dans bon Dieu, il faut que nous connaissions bon Dieu. Comme ça, la semaine dernière, parce que nous avons connu Dieu. Pourquoi nous mettons confiance dans quelqu'un qui ne nous pas connu? Quelqu'un qui nous pas connaît vraiment. Nous pas connaît. Nous pas connaît l'église, comment pas dire. Connaît l'église, connaît santé, connaît ceci, connaît cela. Et
Bon, on raconte ça des trois qui ken. Bon, tu racontes ça, pasteur. Et une madame qui appelle Amy Jill. Amy Jill Levine, elle a fait comme ça. Madame là, elle enseigne dans l'université de l'Amérique, l'eau le Nouveau Testament, l'eau Jésus. Qui fait Jésus, il dit ça. Qui a été l'insaisie, tu mettais, qui a été mangé, qui chimé, qui le tout, qui a fait, qui senti gouverner, il connaît tout. Tout, hein. Ce qui étonne moi, madame là, tu as invité l'eau à un plateau chrétien, madame, présentatrice là, c'est la première fois, l'eau nous plateau, qui nous invite un kiken, qui pour cause l'eau Jésus, mais qui pas chrétien, qui pas même croire que Jésus-Christ est le Messie. Mais ça dit, on a tellement une liée à l'eau Jésus. Finalement, il fait ça son métier. Il écrit le livre là, il paye un casse là. Mon point qui était, nous qui chrétiens, nous qui croyons que Jésus-Christ c'est le chemin, la vie et la vérité, nous ne pas beaucoup de choses au lit. Parce qu'il nous fait le, ce qui dit le dimanche, ou le YouTube, Parce que quand nous écoutons une prédication sur YouTube, il y a un fait l'ouvrage, il y a un coup mangé, il y a etc. Mais pour assiser, pour, si même prédication nous besoin lire, personne n'aura pas chance. Hein. Personne. Des fois, nous disons aux bons enfants, ouais, il n'y a pas les trappes sur la Bible. Toi, tu te trappes, toi? Toi, tu te trappes de la Bible, toi? Est-ce que toi, tu lis, toi? Et moi, pour pas mettre, tout le temps, pour ne pas mettre ça, loin, pour te dire 15 minutes. 15 minutes, c'est une belle affaire, ça. 15 minutes. C'est quelqu'un qui lit la Bible, 15 minutes, il y a une verset, il y a une bout, il sait comprendre. 15 minutes, il y a beaucoup de choses. Radio Plus, dans 8 minutes, il y a tout ce qui passe dans une journée. Paul Béranzi, il y a un accident, l'autre une tuition comme moi, l'autre ici, pénal de l'eau de Rosier. Dans 8 minutes, je finis ça. 15 minutes, c'est là où il y a la parole de Dieu. Il y a avancé au café. Il y a pourtant qui, spirituellement, nous vivons. Il est très, très important. Et ça. Dans Matthieu, sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ fait des paraboles. 10 vierges avec parabole des talents. Tout ça, man parabole-là, concerne man croyance. Hein. Pas que Jésus-Christ jamais confondre ce qui croit avec ce qui pas croit. Dans croyant, là, il y a un problème. Jésus a dit ça, non. Tous les 10 connaissent le maître pour venir, l'époux pour venir. Tous les 10 à un moment, une parraine, fait un joli, etc. Mais après, c'est 5 folles là, non. Ben, folles là, je délaisse, je abandonné, etc., etc. Qui fait? Si je peux attendre, ça processus attendre là qu'il y a un problème. Je peux attendre, je arrive à un moment. Pas pour venir, ça. Etc., etc., etc. Je t'ai abandonné, là. Finalement, le temps de l'époux vini. Bon, pas qu'on zot. Imaginez-nous, 20 ans, 30 ans, on vient de l'église, pour qu'après, on abandonne. Perdu 30 ans, 30 ans de service, perdu. Un du monde vini hier, Jésus-Christ serait venu, il est rentré, il est correct. Nous éveillés, ce n'est pas spirituellement, nous vivons ou nous. Ça s'incline, une folle, je, spirituellement, je ne mourrai tout de suite. Et rien, je te fais. L'état, je t'en dis, les poupes est venu, je t'en rôde de l'huile, prêté, au ban, ce qui est. Non, connexion, je vais faire au bon Dieu, ça. Pas au dimoun. Ce qui est dimoun, c'est dimoun. Connexion, c'est bien faire au bon Dieu. Même ça fait au talent. Ça, quand il y a un talent, l'autre, il fructifie. Ça a gagné à le cachette lui. Le message qui était là, alors, nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Quand lui pourrait venir, il est capable d'aller, il est capable des mains. Il peut prendre un démon qui est capable d'avoir des choses comme ça, madame là. Mais si spirituellement, je suis vivant, nous correct. Moi, je suis le fils prodigue, ton frère qui était mort. Man moli na le nal chaké na le l'autre base mais frère là li comment les revine vivant premier affaire qui dit bon pour retourne la case mon papa c'est là qui tout changé bon pour retourne la case mon papa il pas que condition il pas que circonstance et
Quand il y a un bout de travail là-bas, pas pour retourner comme héritier, quand il y a un bout là-bas pour vivre correct, c'est un mot pour retourner la case, mon papa. Et là, ce papa dit, ton frère, tu m'oublies, il revient à la vie. Pas tu m'oublies, tu peux amuser là-bas. Car il m'a amusé. Dans un dialogue, ça y est, c'est une mot amusé. Il m'a amusé. Et non, il prend la décision pour reconnecter avec ce papa. Si jamais, on déconnecte au bon Dieu. Parce qu'il vient là pas dire connecter au bon Dieu, c'est hein? Bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu, c'est pas un bâtiment là. Bon Dieu, c'est pas LVD. C'est pas assemblée de Dieu. C'est pas des histoires. Quoi. Bon Dieu, c'est bien plus grand que ça. Bien plus grand que ça. Connecté au bon Dieu. Connecté au bon Dieu. Moi, j'ai un frère de la semaine. Moi, j'ai un anniversaire. Il dit d'Aral. Il connaît moi depuis longtemps. Il n'est pas allé à l'aucun église. Mon frère, quand tu peux aller à cette terre, mal partout. Je dis, ok, mais viens, ton beau Enzo. Il dit, non, pas viens, frère, à la balle. Je dis, qu'est-ce que ça, frère? Où est mon pyjama mal partout? Mais au cas où il y a un seul jour. En fait, j'ai envie de moi. Après, j'ai envie de moi. Le fait que vous avez envie de partout, mais parce que nous avons un il y a même des gens partout. Quand nous aussi, on appelle partout ça. Vous avez venu un jour. Après, j'ai envie de moi. Après, nous avons causé. Et nous racontons quelque chose qui est passé. Premier, il y a quelque chose là. Il y a un tas de passé là-dedans. Et là, je dis à mes frères, peu importe qui n'arrive, reconnecter en bon Dieu. Pas les bannes là gagner. Pas les bannes là gagner. Je connais la man Tifi, la man enfant qui finit abusé par ses propres parents. Un Tifi, c'est pas 11 ans, 12 ans, son propre papa, mon bédien. Si ça dit, il n'a pas connu bon Dieu, il n'est pas connecté au bon Dieu. Pas facile pour lui mourir. Il crée une séquelle, ça. Si vous allez dans l'église, quand le pasteur l'aime, quand il y a un film indien, on a un acteur, tu as un compte. Le pasteur l'aime un compte d'un film indien. Par quoi? Tout le monde peut être un film là, parce que il y a un compte. Problème là. Problème d'un film là. Pasteur l'aime un compte. Quand le monde est abusé, par ce pasteur, par ce leader, par pasteur à son frère, par pasteur à son madame, son cousin, anyanki, etc., etc. Du monde là détestait l'église. Bon, racontez-nous une affaire. Il y a 10 ans de cela, ça. Il y a un groupe malgache qui s'appelle Vin Maurice. Je t'ai joint de ministre, je t'ai joint de député, je t'ai visite Paul, man, etc. Et dans ce programme-là, tu faisais visiter un temple. Je vais visiter un temple hindou. Okay? Parce que dans Madagascar, il y a un temple. Pratiquement. Il y a un hindou, mais il y a un temple. Bon, je dis, ok. Et je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre hindou et tamoul. Je suis de Madagascar. Je suis tout ça, même affaire. Dans le coup de Kailasson, là. Je suis à Bisla, moi aussi, là. 28 malgaches descendent. 14 garçons, 14 filles. Si ça roule, encore une fois, ce garçon, je vais venir, moi. Je dis, tu vas rentrer là-dedans, tu vas bien aller, toi, c'est correct. Prête là, la patte, comme ça. Non, ça, monsieur, tu t'es vraiment, mon business, c'est un lien. Mon business, c'est un lien. Je vais sauver, on peut rester où, moi. Pendant que je me demande, non, monsieur, je vais rentrer en dedans. Rentre dans ton plan, dedans. Ok. Bon, allez, tiens mon soulier. J'ai un soulier. Et voilà, tiens mon soulier, bon, allez, me rentrer. Nous avons un prêtre là, nous peut causer, puis pour qu'ils affaires, ça, l'autre, etc. De telle manière, les affaires, ils peuvent expliquer, malgré mon pain de tamoun, on explique bien là, il y a telles affaires, etc. Tant que je viré, on peut sortir, je suis tout NCA. Qui me connaît dans l'école ministère. Qui peut prier là-bas. Hé, regarde ça, chiffre là, saute dans l'école ministère. Tout le monde qui rentre dans l'école ministère, vous êtes tout zélé là, sans pas prendre pour qu'on ça, pour ici, pour là-bas. Quand nous rejoignons, dans le cas il a son. Voilà, dans le cas il a son.
Et là, moi, j'ai ça joue là, moi, j'ai bon Dieu, t'as dit, toi, vraiment, un temps, pas le cause de l'autre, du là. Hein? Et mon cause aussi, là. Les gens, il y a un problème de l'église. Je dis, vous n'êtes pas content, l'autre. Mais là, je suis d'accord, tu sais que vous pouvez dire là. Tu sais que vous pouvez dire là, je suis d'accord. Mais là, il bon là, moi, j'ai dit, non, gonne ça très bien, il bon là. Je dis, non, il n'est pas bon. Vous pouvez montrer ça, quelqu'un est extrême. Du monde sorti, sort de l'école ministère, et puis il y a le Kailas. Qui a été découragé, mon ligne gagnée. Ok, mais mon père dit, moi, mon Dieu, nous sommes un pays libre, dans Maurice, chacun choisit sa croyance. Mais mon père dit, quand il est sorti, quand il était à ce tiers-là. Donc, quand on attend, nous ne devons pas attendre premièrement. Oui, t'attends. Ou attends bis, ou attends métro, ça, ok. Pas de problème. Pas attendre de Dieu. Fais-lui confiance. Parce qu'il y a ce même plan qui nous pas connu. Il y a ce même plan qui nous pas connu. Maintenant, comment nous attendre? Première affaire. Enfin, mon Dieu, pas attendre. Comment nous faire, bon Dieu, confiance? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, il y a un bon Dieu en sacrifice. Levez 3h du matin, Paul Hollande, pas venir couillon de bon Dieu. Couillon de madame, mon Michel spirituel. Au fait, Michel, elle ne marie pas qu'à couillon de sa femme. Sa femme connaît qui a été spirituel, qui a été bon du monde, ou soit qui a été mauvais du monde. Madame la connaît. Correct? Bon, nous allons rester côté de man qui kenne. Fait 4h du matin, on donne Paul Hollande, faux. Parce que mon père reste là-bas. Ça, mon père aussi. Monsieur, c'est ça le prier. Vous avez un geste. Monsieur, je parle 4h du matin tous les jours, c'est à cause de nous là-bas. Vous avez montré nous que nous spirituels, nous. À cause de nous, vous avez 4h du matin, moi aussi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Extra important, ça. À qui a perdu la royauté, là, c'est à cause de ça. Il peut recouiller un bon Dieu avec un sacrifice. Nous ne pouvons pas recouiller un bon Dieu. Nous n'avons pas capable. Deuxième affaire. Quand nous rentrons dans sa logique Habakkuk, là, parce qu'il savait, si là, je vais aller mort, ça, si la réponse t'ordre, attends là, quand elle s'accomplira certainement. Vraiment. Bon Dieu, tu as ce prophète, si réponse là t'ordre, mais affaires là, pour accomplir, les pour accomplir certainement. Baleine prend ça. Avec un enfant, si la réponse t'ordre, attends là. Attends là, ça s'accomplira certainement. Pas avec la rentrée de la case, si la réponse t'es. Pas avec la. Balen met ça. Balen fait une brillante, ça. Mais nous, il y a un coup qui dit, au fait, là, Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et qui dit, moi, je base, je vais me poser, je vais veiller, je vais attendre qui bon Dieu pour dire moi, après ma plainte. Ça veut dire qu'il fait une plainte. Ça veut dire qu'il fait une plainte. C'est que tout le pasteur qui presse ça, je ne veux pas dire qui plainte, il fait. Je veux dire où réponse là. Si nous allons dans le chapitre 1, je parle guetter, Habakkuk peut plaigner qui est méchant. Puis mari prospéré, puis mari correct, et dans l'injustice, mais je ne peux pas être puni. C'est ça qui a Habakkuk plaigneur bon Dieu. Ce n'est pas pour gagner un enfant, pas pour gagner un casse, pas pour gagner tel des affaires. Non. C'est là qu'il dit. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur l'étape afin qu'on la lise couramment. Sa prophétie qu'il peut écrire, elle aussi, guette ça bien. Par exemple, nous disons le créole, mort qui est gardé. Mort qui gardien, mort qui gardien. Bon Dieu, Pédali, c'est que tu peux plaindre là. Allez, mort qui gardien, mot pour dire toi là. Et qui bon Dieu dit. Afin qu'on la lise, quoi. Bon. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Peine à sauver la danse. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle donne, attends là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. C'est ça qu'il veut dire. Whatever happens, peu importe qui est arrivé,
tu as besoin de vivre par la foi. Correct? Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. L'orgueilleux n'est pas pour demeurer tranquille. Moi, regardez. Pas parce qu'on se casse, pas parce qu'on a des enfants, pas parce de la case. Comme les séjours de mort. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie, ça veut dire bouffonnerie et d'énigme? On dira, c'est un peu dire mort qui garde. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ça qui passe là, je veux dire. Tu peux coquin. Mais prends compte, si ça, ban du fait qu'il pouvait venir toi là, si il peut t'en dire, attends là, quand elle s'accomplira, c'est ça qui veut dire là. Ça qui veut dire. Ça qui veut dire. Hein, tu veux tromper ton madame, tu veux tromper là. Marie, bon non? Ok, gardez, Enzo, il peut tromper toi. Ça ne passe pas après ça, madame, d'accord? Mais c'est ce qu'il peut dire là. Moi qui gardé, après sa plainte qui te peut dire une injustice, moi qui gardé, moi pas pour qu'il te jette comme ça. Tes créanciers se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste de peuple te pillera. Ton coquin, man, là, pour coquin, toi. C'est une prophétie, là, gravé, lié. Bon, tout, beaucoup de monde met sa verse, là, gravé, lié. Oui, lié, qui ça fait? Très boule, ça bouche. Man, allez, mettre ça, m'zout. Tout ça fait. Si la réponse, t'as, attends, là. Quand elle. Moi, c'est un des mondes, moi, bon, allez, moi, parce que. M'a répondu, moi. Verset 9. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Tu sais qui paye coquin là? Sa prophétie là, tu sais qui paye coquin ça? Eh frère, on appelle Yann Loul. Attends là, si la réponse. Pas ça qui paye toi là. Pas ça. Bon, on arrête là. Il continue. Donc, mettre confiance dans bon Dieu. L'obéissance, premièrement. Mieux que les sacrifices. Deuxième, pas filer sa histoire. Attends là, quand elle s'accomplira certainement. Troisième, l'intégrité. Faire confiance, bon Dieu, mais dans l'intégrité. Vous voyez que la vie d'Abraham. Au fait, là, Abraham, ça amène des enfants. Hein? Bon, tu as un problème parce que tu n'as pas des enfants. Mais ça amène des bon Dieu, il m'a fait avenir une grande nation. Bien sûr, là, il me pose des questions. Là. Et, bon, si je n'ai pas des enfants, mathématiques, là, n'est pas bon. Là. Normalement, j'ai commencé par N, là, il y a l'aime comme ça. Et là, bon Dieu, il me donne ce qu'il besoin. Mais Abraham, tu intègres. Abraham t'intègre. Abraham t'intègre. Jusqu'à quand il gagne la guerre, il enlace ses souliers, il papa. Parce qu'il s'intègre devant bon Dieu. Joseph t'intègre. Et Joseph, ici même histoire, il peut faire confiance. Bon. Que tu as un frère. Et je te connais ça, problème, Joseph. C'est à cause de Jacob, ça. C'est pas le diable, non, c'est hein? Jacob n'a pas 12 enfants. Il y a une semise neuve, juste pour une celle là-dedans. Il y a un problème. Ça, tu es d'accord. Hein? Pour Noël, papa venir à saisir pour lui, pour lui, mais c'est qu'il y a un dernier. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Jacob, ce n'est pas le modèle de papa qui nous a. Hein? Bon, mon père a 12, mais il y a une seule, mais still, quand même. Donc, Joseph, il est victime vraiment de ce man frère. De colère de ce man frère, de jalousie de ce man frère. Une jalousie justifiée. Maintenant, living esclave, ok. Il n'y a pas fait un an, il y a quelqu'un qui est viol. Ok? Mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais malgré ça, il fait confiance, bon Dieu. Et ce qui est intéressant dans l'affaire de Joseph, c'est que, je te connais quand on a la cause mentir, Jacob. Maintenant, prendre un bout de salaise là, correct? Mais 10 ans là-dedans, amener comme ça, dire, ah, il a, pourquoi un lion, une bête sauvage, correct? Madame Potifar qui fait, il prend un bout de boxe à Joseph, il amène devant ce monsieur, il dit, aïe là, t'es tout fait carré là. Ça a les mains. Vous avez une signification. Ça fait un point d'affaires, amener là. Mais Joseph, tu es intègre. Malgré ça, il est intègre. Il y a la prison, il reste intègre. Donc, vous pensez qu'il y a table de Dieu, mais il fait bon Dieu confiance. Parce qu'il y a un moment, il dit, hey, allez, ok, jalousie là, moi d'accord. Vraiment. Mon garçon préféré, mon papa. Mais là, tu peux trouver qui madame là qui peut séduire moi, madame là qui peut moi nous aller, mon Dieu, non, mon Dieu, mon papa, pour faire ça. Et tu laisses mal la prison. Non, tu fais bon Dieu confiance. Tu fais bon Dieu confiance.
Ça, troisièmement, intégrité. Mon Dieu, là, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Deuxième, parents d'âge à faire Habakkuk, là, la réponse t'en attend là. Troisième, c'est l'intégrité, Abraham, Joseph. Quatrième, n'a pas essayé d'être bon Dieu. Ah, pourquoi on nous apprécie là, ça? N'a pas essayé d'être bon Dieu. Obéir à ce parole. Je te connais, ça, Rebecca. L'étant enceinte, des enfants de ce ventre, bon Dieu, Zélina, des nations de ce ventre. L'île content, Jacob. Mais, il n'est pas bizarre de faire ça, Magouille. Bon Dieu connaît qu'il peut faire. Bon Dieu, pas de vous donner ça, Esaü. Il a gagné le droit des nes, etc. Bon Dieu, tu peux choisir Jacob même. D'ailleurs, les temps de coquin à bénédiction, là, si je t'en lis la Bible, bien, sa bénédiction magouille là, ça veut dire que Jacob vient devant Isaac. Isaac peut bénir, il peut dire il m'a donné toi, ça m'a donné toi, ça m'a donné toi, croyant que c'est Esaü. Il n'a pas gagné la bénédiction. Il n'a pas gagné. Jamais bon Dieu pour donner des affaires qui peut coquin. Jamais. Pour faire cellule. Et je raconte ça, pour faire cellule et. Avant, hein. Ben là, si elle a requête de prière, là, tu as tout cas tes affaires. Tu as un frère qui a eu un hémorroïde, mais frère, tu as besoin de poser les mains. Et, enfin, tu as tes affaires. Un frère, mais un travail pour le faire, prier pour ça. Mais ben, ok, il n'y a pas de problème. Servir un verset, longtemps, l'être, vous, ninja, nous, ça, nous, le faire ça. Seigneur, bon Dieu, bénis le fruit du travail de l'ami. Vous verrez, nous, vous avez qui travaille pour le faire. Oui, comment le faire pour aller, moi. Mais là, une semaine après, même cellule, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Oui, moi, je peux gagner un homéroïde, mon imposement, les mains, finit correct. Tant bien. Si elle a des mains comme ça, frère, tu ne passes très bien. Vous savez, mais qui travaille ça? Vous connaissez, tu es à 40 à l'église, bon pasteur. Moi, tu as le van rôti là-bas. Tout rôti, une fille. Moi, je vais tout rôti. Oui, moi, je vais tout rôti. Gloire à Dieu, correct. Pas pour 40 ans, mais pour Rotila. Ouais. Donc, nous refaisons une magouille. Rebecca fait sa magouille là. Et si nous guettons Genèse 2, chapitre 47, le verset 9, Jacob répondit à Pharaon, Jacob est dans l'Égypte. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Imagine, nous autres, appelle Jacob. Bon, Dieu dit moi-même, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que Jacob peut dire? Jacob peut mentir. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux. Pourquoi 130 ans? Hein? 130 ans, peu nombreux à l'époque. Et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Qui fait un magouille déroulé, un tracement déroulé. Soit vous faire confiance, bon Dieu, soit nous de tracement. Oui. Soit nous dans tracement. Et là, un tracement qui nous déroule. Bénédiction, tu peux gagner, parce que bon Dieu ne finit de décider pas pour donner Esaü. Esaü, tu peux disqualifier lui pour lui-même. Il gagne les droits d'aînés, oui. Mais tu peux disqualifier lui. Pas lui-même. C'est ce problème quand nous ne faisons pas confiance, bon Dieu. Et Rebecca, il se posait comme ça, parce qu'il lui-même, Isaac, c'est bon Dieu qui nous dit à Abraham. Abraham dit à Élisée, Élisée n'a pas une belle fille. Beaucoup de gens ne pas comment dire, parce que je ne veux pas faire bon Dieu confiance, je fais juste même confiance. Trop gros, trop mince, trop noir, trop ici. Il n'est pas dans aucun ministère. Pour vivre un bon mari, pour vivre une bonne femme, qui n'y a pas d'aucun ministère. Il peut presser, il peut chanter, mais après la case, il y a une dimension dans la pince. Fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance. Avant, moi, je viens ici, mon encolé, toi, bon Dieu. Il y a une plaie à cette histoire-là, moi. Hein? Moi, je viens ici. Je viens d'un avant ici. Non, mais là, il y a un vrai qui m'a dit. Ah, tu sais, tu l'as promis, tu viens de moi, là. Ça a ce sens, la grâce, correct, bon.
Dernière affaire, nous devons comprendre une saison. La vie, c'est une saison. Si vous trouvez dans la Bible, il mentionne une saison. Il est mentionné, il a semé, il a récolté, il a beau temps, il a mauvais temps. Nous tous, nous passons dans une saison. Nous tous, nous passons dans une saison. La Bible est tombée là. OK? La prière, non. Saison la pluie, ça, janvier, février, mars. Tout le temps, saison la pluie, ça. Ah, vous avez prié, sur saison. Hein. Prenez une saison que tout va bien. Prenez une saison que tout va mal. Prenez une saison que tu es dans la maladie. Prenez une saison que tu es dans la tristesse. Prenez une saison que tout correct. Bon Dieu, pas pour ça, une saison. Mais quand nous faisons bon Dieu confiance, c'est qu'il nous adapte à la saison. On fait 6 mois en Amérique, tu peux faire moins 12 degrés. Cahier partout. Mais pour ban di moun la, c'est une affaire normale, ça. Je te mets, je te mets, je te bonnet, je te ici, je te là-bas. Parce qu'après, quand on est l'été, je te change l'aise. Et il y a une ban l'aise qui vendait juste pour l'hiver. L'aise, l'hiver, appelle ça. Il se met dans l'hiver, ici. Si tu as pour lui, il met un bouquin, il met un jacket cuir, il met un bottine, c'est pas que. Il peut glacer, lui. Ce droit, dans sa lire, là. Mais là-bas, il y a une saison. Il y a une saison. Américain, là, il est pour prier, il n'est pas prier. Là, il est pour tomber. Salaire-là, revenu. Salaire-là, revenu. Bon Dieu, pas sans bonne saison. Mais bon Dieu, parce que la grâce, il conditionne nous pour saison. Joseph, pas changé. Quand il est en prison, quand il est dans la case Potiphar, et quand il vient de gouverner, pas changé. Mais sur l'intérieur, reste pareil. À cause de ça, qu'il me dit, ça, madame-là, quand tu commences, qui fait madame une guérison? Peu importe madame la ti kabossé. Peu importe madame la ti kabossé. Sur l'intérieur, tchoko vivant. Mon frère, monsieur, nous faisons veiller ce qui spirituellement nous encore vivant. Et spirituellement nous encore vivant. Et mon mari, ça a un mouton banzen qui est dans mon lage, qui n'est pas venu de l'église. Je comprends parce qu'il finit d'arriver à une issue. Mais qui le Christ, c'est fini pour vous autres. C'est fini. C'est fini. Donc, vous pensez qu'on amène un divin, le beau, la mienne, nous plongez, elle est là, correct, elle est là? Non. Non. Pas comme ça. Hein. Pas comme ça. Divin, là, allez, circonstance-là. Vous les avez découvert que c'est un compte dans le film indien. Pas facile. Pas facile. Pas facile. Mais moi, beaucoup de gens, moi-même, et. Une femme me dit comme ça, peu importe, ça n'a pas de compte dans le film là, pour faire confiance, réalisateur du film là. Madame, un acteur, je un acteur dans le Maurice, pas autant un acteur, ça a son rôle. Pareil dans le film, nous sommes mauvais, dans le film là qui est mauvais, il correct dans le holi. C'est comme ça. Mais là, je me dis, non, pour faire confiance, réalisateur du film là. Quand vraiment nous devons nous faire bon Dieu confiance, il y a un tas d'affaires nous paraît fatigues. Nous paraît fatigues. Matthieu 5, un dernier, après nous l'arrêter. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ça. Lydia, vous êtes la lumière du monde. Après Lydia, en la ville située sur une montagne, pas qu'à cacher. Ok. En la ville, en cité, c'est un homme qui a rendu ça. Ok. Bon, madame, ma somme est ouverte, c'était là, mais à l'époque là, c'est un homme qui a rendu ça. La lampe à la maison, c'est ma madame qui allume ça. Et c'est ma... À l'époque, on me dit. Quand tu as un break, tu as taqué la lumière, c'est pas que tu dis. C'est ma madame qui fait ça. Ça, verset là, c'est pour le mari et la femme, ça. Elle bâtit la case, l'autre là éclaire en dedans. Tous les liens pourtant,
si on a besoin de grand la case, mais peine à l'électricité là-dedans, il y a un problème. Et si nous avons une électricité, mais nous peine à la case, il y a un problème. Mais ce fond que libéraux dire, si nous avons une la ville cachée, ou si nous peut aller la lumière, mais nous peut cacher le client à la table, nous sommes un imbécile. D'accord avec moi? Correct? Ça qui peut dire, pas ne faire, pas ça, pas ne faire pour ça. Si nous spirituellement, bon, nous prenons un imbécile. Donc, les bons qui nous viennent l'église aujourd'hui, et on a l'église, moi, déjà dimanche là, déjà c'est où content, où moi l'église passe avant. Non, c'est bon Dieu qui vient passer avant. Si vous avez un travail pour le faire aujourd'hui, tu peux gagner 1 million de plus, tu peux aller, tu viens, pasteur, moi je vais venir aujourd'hui, etc. Telle manière. Je peux gagner un travail, 1 million qui. Non, mon bon Dieu passe avant. Ton bon Dieu passe avant, mal. Ah bon Dieu, tu es l'église, qui dit mon pour dire, il va nous venir, il va nous venir. Parce que tu as tellement de monde, moi, dimanche, pas qu'à moi, qu'à ça. Hypocrite. Hypocrite. Ce qui Jésus-Christ dit aux man pharisiens. Parce que la loi là, tu clés, c'est pas on doit faire un ennui, ça. Man pharisien, c'est, ouais, pas on doit faire un ennui, mais si, oui, on a des bœufs contre maman, nous vous disons de nous donner de l'eau. Bœuf, ça, pas du monde, bœuf. Ouais, tel que j'avais. Man pharisiens vont contourner ça. Là-bas, vous avez une contourne d'ennui au bon Dieu. Si vous travaillez dimanche, soit le travail, dimanche, travaille, moi, je dis. Si vraiment vous travaillez. Si vous patron, je dis, bon, bon, la loi travail, moi, je suis là-bas, moi. Si vous travaillez dans l'hôtel, par exemple, des dimanches, pas moi, à vous obliger. Mais que vous dire? Vous avez la Bible, allez. Sommaire. Donc, pas venir hypocrite, oh bon Dieu. Pas à 4h du matin, mon levé, pas à mon liesse ici, mon liesse. De toute façon, pas cette déjà dire. Show me the man. Nous vous trouver. Hein. Nous pour trouver ça. Veillez, est-ce qu'il nous spirituellement vivant. Veillez. Et je connais comme du monde, marié depuis 30, 40 ans. Frère, moi, les divorces, Dieu a hier les autres, oui. Mais pas forcément, c'est la fête à la maison. Hein? 30 ans, oui, mais depuis 10 ans, ça a quand même dormi dans sa place, et pas causé, etc. Qui a fait à cause des enfants, à cause des enfants? Etc. Et ou soit peine à place pour aller ici, des affaires. D'ailleurs, on est dans le temps. Marie, problème, tu peux dire. Ah, mais que tu les moi aller ça là, ça. Ah, ça veut dire si c'est grave, aller, tu peux aller à l'eau. Bon, voilà, si c'est un partenaire qui est disposé, que tu les pour aller, que tu les. Non, il n'est pas bon là. Vous disiez ça, pasteur, et mon répète-le. Beaucoup du monde qui divorce, qui fait mal de mauvais quelque chose. Mais ce qui pas divorcé, mais critique des gens qui divorcent. Ouais, tu as divorcé, tu as marié 5 coups, 10 coups, tout coup, même histoire. Lui, il reste sur madame pendant 30 ans. Li. Et il est quand même divorcé. Hein? Le papier, oui, je te marié. Le papier, je te marié. Mais quand on là-haut. Bon, ça, vous savez, depuis 1980, je suis quitté. Oui, je te reste ensemble. Oui, tu parles qui te lit. Etc. Oui, tu connais les boumots, tu ne pas sauver, tu préfères rester. Bon, ça connaît la holi. Sécurité sociale ou quoi, couillonné. Pas bon Dieu. On prend là. Devant du monde, quand apparaît le plus bon mari, la plus bonne épouse, le plus bon papa, la case qui nous connaît. Dans la case. Alors, ok, canal côté du monde. Si elle a besoin, si on rien ferait un peu des autres. Ça veut dire que si je n'ai pas venu, tu peux mettre l'autre partout là. Non, vive naturel. Vive naturel. Bon, j'ai la case, j'ai 5 enfants. J'en ai des autres. Mais il y a des autres, il y a un problème dans la case. La case, je pas là. Mais comment du monde vient, eh, sourire, frère, sourire un peu des autres. Mais qui des autres dans la case, ça? Je prends un tasseau là, tu as besoin de boire moi aussi. Ça, l'hypocrisie, là, quand même. Peut-être qu'il y a un film là, peut-être qu'il y a un film action. Steven Seagal, comment nous venir? Hey, mais trop ça, c'est un chrétien, un coup. Hey. Alors, moi, on a un frère. Moi, avec des frères, nous avons une télévision. Frère, là, il est religion. Quand on dit religion, il est chrétien, mais il est. Beaucoup de frères, là. Moi, avec ce névé. Tant la peau, tu viens, frère, là, peut venir. Vous avez sans ça, mettre le football, au moins. Mais ça, télécommande canal, là, il est tordé, là. Tu peux
Pendant un film, normal, juste les gars frères là rentrent dans le salon là. Passe trois, monsieur peut dormir plein avant de tenir. Tenir tous les trois. Moi, je ne sais pas qui filme ça, mais toi, l'homme, Tony, parlez-moi de la paix raconte. Frère, mais je suis pégété là. Et puis, j'aime pousser dans sa scène là. Tu ne peux pas sans danger, parce que tu es un film, ok, mais ça hypocrisie là, pas pour qu'il y ait une bonté, ça. Et parce que tu es pour venir là, et mettre ça, et tu as là, et tu caches ça, l'autre. Je pense que tu viens là pour salmi ça. Expliquer tout. Quand il y a tous les jours qui salmi là. Non, il y a 5 bouteilles là qui salmi. Il y a un problème, moi, tu as mangé au moins un verre de vin, c'est pas qu'il y a des histoires. Correct ça, mais. Ça a hypocrisie, pas pour moi, c'est bon Dieu. Être intègre. Fais-lui confiance. C'est un problème, Sarah. Il dit pour gagner des enfants. Il dit. Non, mais calme, peut-être. Agor, je sais pas. Il dit Agor, un coup. Agor, pas mal. T'as une jolie fille. Mais nous, c'est avant même ça. Correct, ça. Après, problème. Par où je viens de bon Dieu. Et reconnecter avec lui. À reconnecter à l'église. On dit ça, frère, là-bas. Vous avez dit ça. Je vous peux aller partout. Au fait, quand vous avez parlé pour toi, il n'y a pas bien à lire. Mais si vous parlez pour tout, mais un petit tout, quoi, nous. Mais après, on ne peut pas insister. Beaucoup comprennent ce blessure. On passe à nous aussi. Je dis, frère, reconnectez au bon Dieu. Reconnectez au bon Dieu. C'est la meilleure affaire nous avons fait. Nous avons fait une réunion, écoute toute prédication. Acheter tout qui a été concordance, acheter tout qui a été livre biblique, il y a 10 000 pasteurs de livres. Reconnecter. Ben, dis-moi qui plie risque, qui fait business. Ok? Jamais je n'ai un livre au business. Jamais je n'ai étudié business. Je t'aime faire business dans Maurice, je t'aime plier risque. Ben, quelqu'un qui travaille aux autres là, je peux aller au business, comment créer un business, comment ici, l'autre. Vous l'avez dit, non. L'infant qui te chose confiance, pas forcément bon Dieu, mais il connaît ça, moi, fait ça, ça. Reconnecter au bon Dieu. Revenir spirituellement vivant. Parce que quand là, on fait un mot, dans le coma, il y a un peu de baptisme. Donc, pense-le là. Ce qui est vraiment connecté au bon Dieu. Ce qui est vraiment spirituellement mon vivant. Ok? Ce qui est vraiment. Un mari qui a une femme, il connaît, ni, je ne sais pas, les affaires là, on peut morcer ou ça pas peut morcer. En ce qui mort, il connaît. Mais en ce qui passe de problèmes, je connais. Je ne sais pas où aux enfants, il y a encore correct. Kakouyon du monde, mais pas kakouyon bon Dieu. Et pire, il est bête, il a imbécilité à kakouyon nous-mêmes. Ça, pli, kouyon bon Dieu, là, pas bon. Il dit, mais kouyon, il y a un problème, là. Laisse-nous rendre grâce à Dieu, ce moment-là. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons merci. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta parole. Merci, Seigneur, mais pareil comme à sa femme, là. Satan, tu peux tenir lui, mais tu es guéri lui. Tu as trouvé qu'il est vivant spirituellement. Si jamais, Seigneur, au cours de nous la vie, au cours de nous la mort avec toi, nous délaissons, nous devenons hypocrites, nous devenons religieux, nous repentis, Seigneur, parce qu'ils ont envie de connecter avec toi. Nous avons envie d'être prêts. Nous avons envie d'être prêts qui, quand tu peux retourner, nous parer. Capable physiquement, nous pas en forme, mais spirituellement, Seigneur, nous là. Nous pas envie un jour de venir et te dire, moi pas qu'on zut. Merci, Seigneur, de ce qui. Tu viens de la terre justement pour réconcilier les hommes avec Dieu et nous les être partie prenante. Nous repentis, Seigneur, si nous faisons quelque chose qui n'est pas bizarre pour détacher nous. Consciemment, surtout, si nous faisons quelque chose consciemment. Nous étions pardon. Et Seigneur, nous les étions merci. Merci Seigneur
de la grâce, de la miséricorde, Ligon. Et merci pour ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et est-ce que tu peux nous dégoûter un petit peu, nous lipier, gloire à Dieu. Moi, je n'ai rien à ajouter. Moi, j'écoute. Je suis content si vous m'écoutez aujourd'hui. Et je crois que je suis content si vous m'écoutez aujourd'hui. Qui fait réfléchir. Et moi, je pourrais raconter un petit dessin, un petit image que j'ai vécu. Et il y a très longtemps. Il y a très longtemps de cela. Et je connais à Rosille, dans l'église catholique, dans les environs de Plaza, là. Un de l'église catholique, un dans sa côté là, un dans l'autre côté là-bas. Je ne sais pas qu'on est which nom j'étais dans. Hein? Mais c'est l'un des temps où j'ai un petit passeport vieux semaine, vous venez là. 15 ans, je suis du tombeau là. Donc à l'époque, il y avait Jesse, Tarsmi, et je ne sais pas comment vous voyez. J'ai un petit passeport ça vieux semaine là, pour me débousculer la grande route, et je viens à côté de Plaza, je viens de l'église ici. Alors, l'église catholique dans ma droite, comme on peut débrouiller ce plaza là, l'église catholique dans ma droite, je ne sais pas comment on appelle ça. Ok, sinon, ok. Mais il y a en forme de croix, ça, l'église catholique, il y a en forme de croix. Belle building, hein, en forme de croix. Donc, je crois qu'il y en a 4 lapots, quelque chose. Hein. Alors, lapots, dans mon côté, les bondés ont dit, l'église a bien plein, bien plein. Et il y a des gens qui carrément dans la porte n'est. C'est-à-dire le seuil d'être là-bas. Je pensais dans tous les 4 côtés comme ça. Parce que c'est à côté là qu'il est, ce même mot, il est visible à moi. Il y a même des gens qui ont l'apôtre là. Et ils m'ont arrêté pour faire contour. Je peux dire à mes enfants, ça, ça dernier des gens qui dans l'apôtre là, qui dans l'apôtre là-bas là. Il n'est pas même trouvé prêtre là. Parce qu'il prêtre là, apparemment, il est dans the head of the cross. Il est dans l'autre côté là. La croix là, il fait comme ça. Le prêtre, il peut-être pas là. Si vous pouvez supposer, moi, ça va me rentrer. Et dans l'aile gauche là, il dit, on est dans la peau. Je me dis comme ça, si tu poses ça, dis-moi la banane, question, mais tu es dans l'église aujourd'hui. Il dit, oui, on est dans l'église aujourd'hui. Et il n'est pas le même temps, prêtre là, causé là. La côté était là. La côté droite, côté gauche, ça n'est. Juste pour lui, il faut maniquer dans l'église. Mais les amis enfants dans le tour, ça se connaît, mais ça dit bien, dit là-bas, là, ou le seuil, là, est-ce qu'il se pose une question dans l'église ou tu ah oui, moi dans l'église. C'est une image qui me moque, moi, ça. Hein? Et là, moi, je dis, ça te connaît, oui, ça me dit, ça va les enfants, vous êtes connaît, dans l'église, moi, tu sais, pareil. Hein? C'est une formalité dans l'église. C'est une formalité dans l'église. Mais sa connexion en bonté, là. Dimanche prochain, bon, qui est presque similaire à ce qu'il ferait une annoncée. Et tout en temps, je peux dire ça, qui mène brebis, et ce tenant, ça, comment dire ça, ça potentiel, ça option pour être perdu. Je peux dire ça, qui est une brebis, il est né dans ce ADN pour être perdu. Une fois, je peux comprendre, je peux dire ça ici, qui, pour moi, 90% de l'église chrétienne dans le monde entier, pas ici, Maurice, hein. Le monde entier. Ce n'est pas mal l'église vivante. C'est pas mal l'église vivante. 90%. Peut-être que vous avez exagéré quand vous dites ça. Mais voilà l'expérience pour que vous dites beaucoup l'église mou. Beaucoup l'église mou. Vous dites worldwide, hein, je parle qu'ils sont mauriciens, hein, ou bien américains, ou bien les autres races, mais 90% de l'église, c'est formalité. Et bon, vous dites comment du monde est perdu vraiment. Et je vous trouvez qu'il me l'a même traîne avec le frère. Il me file ça dommage, je me dis ça, je me dis à l'église. Et un jour, je me disais, raconte ça, moi, tu fais causer avec le frère Blackburn, fondateur de l'Assemblée de Dieu. Enfin, pas fondateur, mais tu vois, c'est lui qui carry on. Je suis bien avec lui. Un jour, je me fais causer au lit, là, ça, il y a un moment où si ben tu qui me l'amène, baptisé, tu es encore là. Pas tu vois, un building pour me dire. Vraiment, frère, dans la raison, il baptise beaucoup de monde. Je me rappelle, moi, quand moi, je suis baptisé à l'Assemblée de Dieu, dans les années 77, pour 200, 300 de monde par quinzaine. Baptisé, hein, plongé dans des lieux. Mais après, quand vous êtes dans une péature, et je me donne parfaitement raison à l'Ivaille, il montre nous qu'il y a vraiment connexion à bon Dieu, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. Lire la Bible ou bien
est hypocrite qu'on nous trouver hein, et quand quelqu'un peut venir c'est là que nous mettons la Bible à la table. Et moi vécu tout ça, mais sincèrement hein, sincèrement nous sommes pas peu nombreux dans cette église belge tombeau là, mais je crois qu'il nous peut prendre une bonne direction et laisse nous garder sa tendance. Amen. Et moi vite ceux qui préparent la Sainte Cène, préparent la Sainte Cène. Et en même temps, nous avons l'occasion de préparer nous l'équipe à nous. Bien, le temps, merci. Merci encore une fois de réveiller nos mémoires, de faire que nous comprenons. Lui, Seigneur, nous chantons la chorale.
Jacob peut dire, aux eaux furent peu nombreux et furent mauvais en même temps. Des, comment il fait de souligner lui-même. Il me parle de qui là? Il me parle de Jacob là. Il me parle d'un petit monde qui bondit l'empreinte selon sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour être franc avec eux, regarde n'importe qui l'église m'a cotisé aujourd'hui. Regarde comment ça va être matraqué. Tout la tête, non pas la queue. Tout parce que l'examen qui est bizarre. Tout gagne tout casse qui est bizarre. Tout gagne tout le taux qui est bizarre. Pourquoi c'est moi divin qui peut dire d'autres noms? Il a aussi même des autres difficiles. Cette réalité n'est pas voulu ça reproduire. Moi, c'est l'illusion. S'il est là qui cause justement la scorne, la peau de son qui est grand. La vie c'est la vie. Mais fais monter confiance. Vous voyez, moi, je vous réponds dans ça. Je coupe tout de ça. Mais je vous confie. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Seigneur, vous faites exactement confiance. On va vous plaindre de vos sauts, de vos situations. Je me connais toi, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Yeah.
mangeons en frères et sœurs et nous ramassons les offrandes, mais c'est le fond de fouquet. Voilà, c'est le fond. Et est-ce que nous dit comment bon Dieu il met au milieu de terre? Voilà, nous chantons là. Libère-toi, mon bon Dieu,
de la vie de l'apôtre Paul. Et contrairement à saint évangile de sucre dose, qui m'est prêché à l'époque, dommage, il y a du bien dommage. Et c'est ça qui détruirait beaucoup les enfants de Dieu. C'était un petit peu la partie de la vie de l'apôtre Paul. C'est au grand bélier qui dit, à vous dire, au loin de ça. Cependant, il y a 2 Corinthiens, chapitre 11, hein, c'est la débatière. Cependant, tout ce que je peux causer quelqu'un, je parle en insensé, et moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israéliens? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je suis plus en cours par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, il y a 39 coups. 5 fois il y a 39 coups de fouet. 3 fois j'ai été battu de verge. Une autre fois j'ai été lapidé. C'est lapidé là, c'est quoi? Demande de crucifixion. 3 fois j'ai fait une phrase. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part du sud de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les fous frères. La liste est longue. Confie en beauté, c'est tout. Trust God. Si vous n'y pas facile, les autres, ils vont pas connaître pour qui il suit. Faites-vous des confiances. Amen. On se matin, les gars, si vous avez écouté. Et voilà, ça, c'est l'anniversaire d'aujourd'hui, oubliez-vous. Gloire à Dieu, la personne, ok. Ben, écoute-moi pour les annonces. Mardi, réunion des sœurs avec Margot. Vendredi, réunion des prières avec Margot. Toujours pareil, même l'heure. Samedi, le 28, c'est-à-dire dernier samedi, ça voilà, le 28. Ouais, viens. Voilà, viens au ciel. Je pense. Amen. Viens. 85 ans. C'est la grande transpo des grosses bois. Voilà. Seigneur, merci. Merci, M. Francis. Pour courage, te donne-lui. Seigneur, merci. Merci pour la vie. Seigneur, rends-toi grâce. Merci, pour les gens qui bénit le jour de sa naissance. Il y a un cadeau à l'Église. Ah oui, c'est un cadeau de nous dans la personne de Sœur Francine, Seigneur. Seigneur, me connaît, il passe par beaucoup de situations, Seigneur. Mais merci pour la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, ben, pour qu'il reste pour vivre. Il pour vivre, lui, Seigneur, dans la foi à toi, Seigneur, oh Dieu. Il pour trust-toi comme un des affaires, lui, Seigneur, oh Dieu. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Bon anniversaire, mon Seigneur. Bon anniversaire. 85 ans. Grégaille au placé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, ce qui fait que le 28 janvier, 28 janvier, là, samedi, nous dans l'église des enfants. D'accord? Maintenant, il n'est pas 9h30, il est 9h. Nous pouvons pousser les demi-temps en avant, il est 9h. Mais c'est bonnes parents qui aident nous à amener d'autres enfants. D'accord? Et puis ça, c'est tout comme annonce. Réunion des frères, nous pouvons reprendre en février. Nous mettons debout ensemble. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Et dimanche prochain, toujours là, comme d'habitude. Et nous voulons être enseignés par la parole de Dieu. Même nous peu nombreux, pas de soucis là, mais qui nous dit la vérité quand même. Amen. Seigneur, merci ce matin, pour lesquels est rempli de joie. Parce qu'il m'en écoute ce qu'il m'a écouté, Seigneur. Moi, tout le temps, fais-toi confiance. Jamais m'a plongé, Seigneur. La vie n'est pas faite à cadeau, Seigneur. Je comprends. Oui, Seigneur, il n'a pas fait un cadeau. Il te rappelle-moi aujourd'hui. Qui est Jacob? Et comment il dit, ben, jour fait une mauvaise poulie. Seigneur, merci. Et pourtant, il te choisit, lui, Seigneur. Seigneur, merci, il te l'enseigne, nous, ce matin.
Merci pour le frère Livin qui nous enseigne, nous, Seigneur, oh Dieu. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous promets-toi fidélité, l'intégrité, Seigneur. Merci, merci encore une fois, Seigneur. Amen. Nous disons nos camarades bonjour avant d'aller, hein. Nos familles, là, merci, Seigneur.